Ah, ça change de d'habitude. Hein. Ton, 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 ton. Moi je l'ai très très bas le son. Hein. Je sais pas si c'est pour vous. On va remonter un petit peu le son aussi. Bonjour, 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 bonjour. Ouais, là ça devrait être bon. Alors, moi j'ai très peu de son, donc du coup, je vais pas entendre vous ne passerez pas ou ce lieu est totalement, je sais pas quoi, je sais plus les phrases. Faut qu'on se rappelle des phrases. Là c'est pas mal. Pour vous, ça donne quoi? Attends. Là. Bon, on continue. Bon, on va devoir faire un petit rappel. Je pense qu'on va devoir rappeler l'histoire. Rappelons-le. L'histoire de Roland de la Tour Bresson. Ça fait un moment maintenant. Est-ce qu'on peut personnaliser celle-là? Biographie. Roland de la Tour Bresson n'a d'histoire que son nom. Pourquoi Gorion se prétend mon daron et m'impose de récupérer sa thune? Louche, je dirais. Quincy est officiellement mon ennemi juré. Même pas sorti de Château Suif qu'un groupe de... Château Suif, que je dirais toujours avec l'œuf. Qu'un groupe de mercenaires tente de m'assassiner sans doute une perfidie de Goron. Une petite virgule qui manque ici. Incroyable! Gorion a perdu la vie dans le combat contre les mercenaires. Il est possible qu'il m'en voulait moins. Un avis de recherche a été établi, je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge du Brap Amical. Un étrange phénomène me fait revenir. Magie? Ce n'est pas que moi. Jaira et Khalid aussi reviennent après être décédés. Seul Imoen n'a pas de problème, autre qu'ouvrir des coffres. Nous sommes arrivés à Beregost, la moitié n'est pas praticable. Des gens se battent dans les rues. L'endroit nous a piégés, je soupçonne une araignée cachée dans un corps humain. Alors on n'a toujours pas réglé ce problème là d'ailleurs. Beregost est incroyable, même les maisons ne sont pas sympas. Contrairement à Noober, qui est un fan de la fandom de la Tour Rosson, rencontré sur un pont de Beregost, cela égaye ma vie. Cela fait longtemps que je n'ai écrit ici, mon cher journal. Sache que énormément d'aventures se sont déroulées. Mourir est devenu mon quotidien. Pardon. Dernièrement, je suis mort après avoir rasé un camp de bandits en pénétrant une grotte. Imoen s'est enfui en me laissant décéder auprès des autres. J'aurais préféré qu'elle m'attende. Nous avons rencontré plusieurs araignées à bois gilet. Note à moi-même. Les araignées sabres sont les pires en animation et en DPS. J'ai réussi à utiliser... C'est bien parce qu'il fait des commentaires de joueurs. Bref. J'ai réussi à utiliser, enfin, le Tactical Sleep to Heal pour gagner en embuscade. Je n'ai plus d'antidote. Nous nous sommes enfoncés un peu plus dans bois gilet et avons découvert bois chemise. Peter du Nord... Pété du Nord, plutôt, on avait dit. Gentilhomme de son état ne voyait pas les wyvernes derrière lui. Dû à une non-habitude de ses yeux à la luminosité. Il est mort comme il en a vécu. F. Stéphane, que nous avons rencontré sur notre chemin vers Baldur, a fait office de MJ. Merci pour le lore, car nous ne lisons point. Waouh. F, faut l'éditer après, hein. Je vais le sortir en fanzine. Arrivé à Baldur, nous nous sommes entichés d'une balafre qui nous demande de faire son taf, même si on l'a déjà fait avant qu'il n'en parle. Ah, cher journal, récemment nous avons vu un basilic. Stupéfiant, n'est-ce pas? JPP. Pourquoi j'ai écrit avec ce mood? Ah non, je l'ai pas fini, Abeldur. Clairement. Clairement. Nous avons été envoyés à Château-Suis, régler le problème des mines. Notre déambulation nous a amené au boss de fin de niveau. Deux basiliques pétrifiés à l'idée. Nous avons... quoi? De basilic. Pétrifiés à l'idée, nous avons préféré la méthode furtive et à distance, tel tout héros dans la littérature. Allez, on rajoute la suite. Alors, faut qu'on parle du DLC, parce que c'est un DLC. Enfin, pour moi, c'est un DLC. Une mission de la plus haute non-importance. C'est imposé à nous, on va dire. C'est... imposé à nous et à Dorne parce que on a totalement oublié la quête de Dorne. Nous avons dû régler un problème. Comment ils disaient dans les séries là quand ils avaient des problèmes familiaux dans les années 90? Il disait quoi? C'est une famille dysfonctionnelle? Un problème de famille dysfonctionnelle dans la tour de... Alors, je sais plus comment ça va être dans la tour de...
Et puis c'était Durlag, dans la tour de Durlag. Cette personne était facile. Alors, je sais pas comment dire. Voilà. Nous avons dû régler un problème de famille de dysfonctionnel dans la tour de Durlag. Cette tour était facétieuse. Comment on dit facétieuse? Facétieuse. Ça s'écrit pas comme ça, je pense. Avec nombreuses. Alors, on va mettre virgule. Nous avons découvert multiples artefacts. On va mettre artefacts. Comment on dit? T'es sûr que Durlag c'est un DLC? Ah, je suis assuré. Mais là, on est dans la ville, on va se faire bomboclate à 24. Je vois pas ce que ça a avancé en fait, j'avoue. Il avait fini un donjon. Plein de gens, on a déjà dit, oh, tu n'es que là. Oui, voilà. Et Clem Lelut t'a précisé aussi qu'on pouvait trouver des bottes partout. Preuve. Hein. Moi, je veux toujours une preuve. C'est pour ça qu'on revient sur Baldur, d'ailleurs. Je veux une preuve qu'on peut trouver des chaussures partout. Anachronique, c'est ça que je cherchais quand même le terme. Multiples artefacts anachroniques. Voilà. Et un miroir d'une. Comment ça s'appelle? Comment on pourrait dire? Faut faire une référence à une autrice turf qui a volé Baldur. Alors attendez. D'un miroir d'une saga magique. Comment on pourrait dire? Une saga magique. Ouais. Et un miroir d'une saga magique. Ah non. On va pas mettre ça, on va pas faire la référence, on va faire. Le lore nous a fait le coup. Parce que c'est un trope. Il nous a fait le coup. Cliché. Du. Dark. Sasuke. Un miroir était présent en boss final des noms d'internet parce que c'est voilà pour une référence à un autre truc qui m'a fait beaucoup rire voilà et on en est à là c'est parce qu'on en est au moment du village terminé est-ce que ça s'est bien mis à jour? Oui, Dark Sasuke des inter un miroir était présent en boss final des noms d'internet. Voilà, c'est très, très très bien, très très bien. On y est bon. Donc là, si je discute et que je me balade dans cette ville, en vrai, je me fais C'est bomboclate. Est-ce fait. qu'on a vraiment envie de faire ça? Je ne sais pas. J'ai décidé que non. On reviendra plus tard. Attendez, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on doit vendre aussi. Ah oui, non, mais on avait déjà tout vendu, je crois. Ah oui, on a toutes les pierres aussi qu'on n'a pas vendues. Lol. Peut-être qu'on va les vendre. Hein. On va aller peut-être dans un truc magique pour pouvoir les vendre. Proche de la personne. T'es sûr que... Ben, t'as essayé de trouver un cordonnier, c'est facile à repérer, ils sont toujours mal chaussés. Pas mal, pas mal, pas mal. Faudrait que je sauvegarde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hop, sauvegarde. Comme ça, Oui, bien on a le sûr. contexte. Du coup, on n'avait pas... Vous avez vu qu'on n'a pas vu tout Baldur. On a passé la première porte, mais pas la deuxième. Oui, c'est un peu ballot, j'avoue. Point sur les quêtes. Donc, point sur les quêtes. A fait voile et n'est jamais revenu. Personne ne sait exactement ce qu'il est devenu. Tout de même, c'est étrange qu'il ne soit pas revenu dans la ville qu'il avait fondée et qu'il adorait. Ça, c'est un autre truc. La récupération. Un groupe d'hommes étranges nous a attaqués après notre retour. Ils convoitaient une dague que j'y avais trouvée, mais devant mon refus, ils sont passés à l'attaque et l'ont volée. Il va falloir que j'enquête. Quoi? Je me suis fait voler une dague? Il nous a demandé de pénétrer dans la tour de Durlag pour y trouver un héritage. Ah oui, c'est vrai, c'est la dague buveuse d'âme. Oh non, mais on a fait sortir un truc qu'on n'aurait pas dû faire sortir. L'érudit Mendas, qui n'a nullement l'accent à quoi font des Mendas, doit... Ah oui, mais c'est ici, ça. Ça, c'est... Ah oui, mais c'est vrai que toutes les quêtes, elles étaient là. Sauf Dorne. On va faire la quête de Dorne. Hein. Semble l'attendre à proximité de l'entrée de la porte de Baldur. Ah oui, c'est vrai qu'on était Oui, bien bête à sûr. côté, et je pensais que c'était ici.
Mais peut-être que c'est pas là. Je me suis dit, ouais, c'est là, la quête de Dorne. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici. Écoutez, Une tâche on va rester facile. là. On va faire ici. On va se taper tel que nous sommes. Et on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que la dernière fois, c'était compliqué. Donc, rappelez-vous les techniques qu'on a apprises dans la tour de Durlag. Là, transparence de Roland de la C'est Tour fait. Bosson. Pour, bien sûr, attaquer par derrière. Le bourrinage de Dorne et de. Je peux toujours Allez-y, essayer. hop. Et, bien sûr, C'est comme si c'était petite fait. incantation de préparation pour notre cher. Ah oui, mais on est à l'extérieur du coup. Attendez, on a des trucs là. Appel des créatures des bois, voilà. Hop. On a des trucs. Et on va dire bonjour. Vous êtes... J'en ai Vous n'avez assez! pas entendu et ne verrez rien. Si tu veux pexer pour survivre à l'attaque des je veux Eyes of the Tiger en fond sonore. Ah oui, non, mais oui, mais oui, mais oui, Eyes of the Tiger. Mais ça, il faut. C'est vrai que pour monter des niveaux. J'ai envoyé un message à Contrefory là sur. Enfin, j'ai partagé la vidéo. J'ai mis coup dur pour l'âne trop. Et voilà, j'ai reçu des petits messages. Nous ne faisons que regarder. Chercher d'autre part, c'est une propriété privée. Ah, je veux juste parler. Attends, peut-être pas toi. Moi, je veux que ce Oui, soit I réserve, pas. understand. Bonjour. Je vous ai donné un avertissement, mais continuez à m'importuner. Vous allez payer pour votre curiosité mal placée. Ah oui, ça spawn de partout. Il y a même des gens sur le toit. Bah écoutez. Ah, mais j'ai augmenté des trucs. Immobilisation des monstres. Confusion. Est-ce qu'on a un truc spécial extérieur? Convocation des insectes, je sais pas moi. Il y a du monde partout, hein. Oh, il y a des confusions partout, j'en peux plus de l'histoire. Oui? Le seul à vos ordres. J'ai confus tout le monde. Du coup, c'est une bonne blague. Allez, hop, on va voir. C'est une bonne blague, y a rien qui va, tout le monde se balade. Allez, on se retrouve au même endroit, s'il vous plaît, les groupes, merci. Voilà, et on tue la personne qui est à distance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Moi, je m'en vais. Du coup, on est en conscience. Ça va être DMC. Bon, après, on n'en sert pas là de normalement. Et pour l'instant, en fait, le truc c'est que moi j'essaye de faire en sorte qu'on puisse entendre de temps en temps. Parce qu'en fait, le truc c'est ça, c'est que il y a. Il faut vraiment magique, c'est pas très intéressant. Par contre, on est passé dans le truc, on va essayer de faire ça. Vous pouvez vous focaliser sur les gens qui sont pas confus? Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment! Oui. Passons aux choses sérieuses! Donc on vient de tuer tout un culte, hein, je crois. Ah oui, faut prendre les. Alors, les flèches. Nous n'avons plus de flèches. Bim! J'ai Une l'impression tâche qu'il y a quelque facile. chose qui se passe mal. Oui. Bah tiens, il y a quelqu'un qui arrive, qui est là. Alors attendez, parce que je vais me donner un peu de vie. Roland qui a toutes les possibilités. Au cas où. En fait, ça se passe bien. En vrai, ça se passe bien. On a réussi la tour de Durac, donc normalement, on devrait rouler sur tout le monde. Bon, bah un moment en tout cas. Une tâche facile. De l'argent. De l'argent.
Ok. Bon, c'est un culte. Donc là, ils ont ouvert la porte, je crois. Non, ils ont pas débarqué par là. Regardez avant de rentrer. Bon. C'est fait. De toute façon, une le tâche culte, c'est ceux qui m'ont envoyé sur le tour de Durlag. Ils méritent aussi un peu de décéder dans notre souffrance, hein, j'avoue. Ah! Ah! Roland de la Tour Bresson et Ilk, nous pensons que vous arriviez peut-être aujourd'hui, juste dans les temps. Merci pour le compliment. Devons-nous vous tuer maintenant ou allez-vous nous supplier d'attendre un peu? Ah mais oui, c'est ceux qui sont tombés sur moi à l'entrée du village à partir du moment où ils ont remarqué que j'étais sorti. Alors déjà, on va pas suivre le culte. Hein. Je pense qu'on va dire ça. Hein. Merci pour le compliment. On remercie, on est poli quand même. Vous n'avez pas envie de faire la conversation, hein? Très bien, c'est comme vous voulez. Hop, on tue. Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est un morceau. Et maintenant, où? Et maintenant, devant. C'est fait. Pas de peine. J'ai si froid. On va peut-être se charger. Je pense qu'on en est là. On va faire dodo avant d'y aller. Oui, bien sûr. Oui, j'essaye avant. Attends, faut reprendre les bonnes habitudes, hein, c'est compliqué. Hein. Mais le dodo était nécessaire. Alors, ne t'inquiète pas, Clem Lelu, j'ai un réveil pour 10h30. Le prochain réveil, c'est 10h30, mais normalement, ça se passe. Il y a de l'embuscade, Je zoome un peu pour voir Oui, bien sûr. C'est vachement bien. J'apprécie ce. Ah oui, il y a une dague de gel. Hein non. Ouais, j'ai sauvegardé, bien sûr. Attends. Faudrait pas que je loupe, hein. Ça, c'est quoi? C'est la potion d'héroïsme. C'est fait. Bien sûr, on va refaire dodo. Hein. Pour voir s'il y a quelqu'un qui se repointe. Exactement, exactement. Nous sommes dans cette habitude-là, ici. Et je l'ai mis en tag, j'ai pas regardé si c'était visible. Je l'ai mis en tag de... Ah, j'ai tout débloqué. Il y avait un moment où c'était bloqué. Ah, il y a un plugin qui est accepté. Alors, Avia Upstream, Audio Only, 100p, c'est le worst. Ok. Best, c'est 720, parce que j'envoie du 720. Opening Stream, 360p. Ok. Mais du coup, ça va mieux, Taco? Oui, mais ça, c'est pas grave que les gens soient trop lourds, parce qu'ils ont, ils ont volé tout. Pas un problème. Ah si, c'est Roland. Ah, ça, c'est un gros problème, du coup, quand c'est Roland. Vous êtes par ici ? Oui ? Donner nos potions à quelqu'un d'autre. Ah non, non, c'est pas vrai. Okay. On a sauvegardé, je crois. Oui, bien sûr. Alors, on va faire un fourvoiement magique sur le magicien. Harmonie défensive. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. Et du coup, on n'est pas confus. Et voilà. Qui c'est cette personne? Assassin. Assassin. Et maintenant, que se passe-t-il? Et maintenant, bah, tu lui fais un petit vampirisme. Vampirisme? Non? Ah mais attendez, mais pourquoi elle se bat la main? En gros, je teins 3 streams.
En 360p. C'est fait. J'ai pas compris le temps. Tu tiens 3 streams. Ah oui, avec la coup, c'est ça que tu veux dire. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. On peut envoyer quelqu'un de la patrie des bois là, directement dedans. Oh, 590 KO. Du coup, t'as un décalage ou pas? J'imagine. Une tâche facile. Mais elle est partie. C'est qui a fait ça là? Ah, elle a déjà sorti l'harmonie défensive directement. Et j'ai déjà été touché par quelque chose. Aura de désespoir de Dorn a été activée. Ah non, je sais pas ce qui s'est passé du coup. Si, il y a des trucs, il y a le poison. Vous êtes une bien étrange personne. Ok. Ah, oui, voilà. Une tâche okay. Facile. C'est possible. Fais ça. Il y a plein d'assassins, il y a des trucs qui se passent, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi tout ça. Je me suis baladé sur le scénario. Vous ne passerez pas. Oh, je dois être plus touché que je ne le pense. Bah du coup on va envoyer Roland de la tombe reçue. On est d'accord que si on l'envoie transparent ça marche? Non. C'est fait. Je me pose la question. Ah oui, faut qu'on passe la main. Ça. Moi, je m'en vais. Oui, c'est fait. Roland va passer devant. Non mais... Cette histoire là... Alors... 4-5 secondes, ça va. Sachant que j'ai 2 de base. Faut y aller là. C'est Jaira qui m'embête. Le serviteur de Dame Nature attend. Je peux toujours essayer. Oui, bien sûr. Ah, ça a l'air sympa votre culte. Oui, bien sûr. Ne fait que passer. C'est des moines combattants, d'accord. Elle ouvre sur un pan de roche, ok. Elle ouvre sur un pan de roche. C'est une fausse porte aussi. Donc vous êtes la dame qu'on va devoir taper. Tracé à Carole, on ne sait pas qui vous êtes. Le son est toujours plus fort. Ah bon? Ah, je baisse un peu. Là c'est mieux peut-être. Excusez-moi, bonjour, là ça devrait aller. Mais je comprends pas le son, on dirait que du micro il a baissé. Il a baissé. Ah oui, il y avait un truc que je voulais vérifier aussi. Alors attendez, 2 minutes. Je voulais vérifier un truc. Je teste des trucs en scred. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est fait. Je vais essayer de vous le montrer. Pour le... Bon, on va sauvegarder. J'essaie de vous montrer vite fait. Je fais un petit enregistrement pour pouvoir vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai pas vu grand monde l'utiliser, mais si on arrive à l'utiliser, je sais pas si ça va changer grand chose sur les personnes qui vont passer, mais c'est pas grave. Hop. Je vous montrerai. Alors, je vais vous l'envoyer direct sur Discord dans pas trop longtemps. Tant qu'on meurt, hein. Une tâche facile. Bon, on a fait un peu de checkpoint. Donc, il faut tuer lui. S'il vous plaît, tuez cette personne-là, oui, de préférence. Oui, figure autoritaire omniprésente. Est-ce qu'on a fourvoiement magique? Normalement, oui, quelque part. Là. Il faut que lui, il soit fourvoyé magiquement. Tu
Il peut faire des kamehameha hein. Pour cette personne. Il peut aussi prendre de la vie. Remarquons que voilà. Donc, il y a des personnes qui ont survécu. Des personnes qui ont survécu vont devoir donner de la vie. Ah, mais il y a personne qui. Il y a une personne qui est morte. Imoen, j'ai même pas remarqué. Je me disais, c'est bizarre, il y a des potions par terre. Et fort pendant la baston. D'accord, c'est bizarre. Normalement, ça devrait pas être autant. Je le soupçonne d'avoir monté le son pour qu'on réapprenne les voix mythiques de ce jeu. C'est possible. Je vous envoie vite fait là sur le disque. Sur Discord. Mais attendez, je suis pas connecté à Discord, mais oui. Comment Raving Bell sait que je suis en live? C'est déjà 25. Oui, c'est vrai que c'est déjà 25. Ça doit préparer. Comme si on n'avait pas déjà imprimé dans les tympans. Excusez-moi hein, pour le son. Ah, mais du coup, en fait, voilà, ça y avait une mise à jour. Ah, Gizzy Boss. Là, ça devrait être bon, mais comment c'est possible que ce soit aussi fort pour vous? Normalement, ça devrait. Ah oui, mais c'est le. Ah, peut-être que le micro, je l'ai baissé. Attendez. Check me. C'est fait. Oui, normalement, c'est... voilà. Normalement, on devrait être là. C'est bizarre parce que. Il est pas si loin que ça de ma bouche. Hein. Là, le son est bien. Bon, c'est cool. Du coup, je voulais vous envoyer, mais je vais vous montrer. Alors, vite fait. Hop. Tic, tic. Est-ce que je peux l'envoyer déjà? Parce que c'est une vidéo, ça dure 15 secondes. Mais est-ce qu'il va accepter? L'envoie pour le test. Dites ce que vous en pensez. Je vais pouvoir enlever le truc pour vérifier. Hop. C'est bon, vous l'avez reçu. C'est du côté de Discord si vous voulez. Ouais. On va te mettre des kamehameha direct. On est des gens sympas. On va faire une petite aspiration de vie ici. Bon, toi, tu peux aller direct au corps à corps. Vous êtes une bien étrange personne. On s'occupe de quelqu'un qui est à distance. Ouais. Toucher vampirique ou toucher vampirique? Oh, ouais, toucher vampirique. On va lui faire jusqu'au bout. Voilà, petite pause. Cacahuète. Au kamehameha. Arme empoisonnée. Et fourvoiement magique. Bon, après, il risque normalement de mourir. Wouah, il est mort en deux fois. Imoen. C'est dur la vie, hein. C'est dur. Bon, en fait, ouais. C'est fait. C'est rigolo, mais en fait, ils sont un peu vénères, les gardes. Donc, on va faire la technique numéro 366. C'est fait. C'est là. On rentre, on sort. Oui, bien sûr. Votre âme sera dévorée. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Votre âme sera dévorée. Oui. C'est un gardien du culte aussi. Petite confusion là pour tout le monde, ce serait pas mal. Un peu de temps, appel des créatures, harmonie défensive. Vas-y.
Il est 10h30, Clem Lelu. Bonne journée, hein, n'hésite pas à partir d'un coup. Ouais, je vais pas utiliser ça, ça c'est vraiment nul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vie? Dorme, ouais, vas-y, dorme. On a con, Krazen n'a toujours pas lancé sa boule de feu. Hein. Petit piquage de vie là, quelque part, à quelqu'un. Voilà. Remarquons que les mages ont décidé de pas venir. Hein. Voilà, c'est fini. Il y a des flèches. Il y a des flèches. Oui, bien sûr. Ah si, il y avait un mage quelque part. Le mage est mort. On a une baguette magique, c'est pour... Pour le groupe. Ah non, c'était pas ça que je voulais prendre. Voilà. Est-ce que tu peux utiliser cette baguette magique? Non. Toujours pas de chaussures. Marquons-le. Hein. On va peut-être la vendre. Mais tu es encombré, donc du coup peut-être qu'on va pas la vendre. On va pas... Je fais joujou avec ChatGPT, j'ai réussi à faire un micro-jeu en HTML. Oh, pas mal. Identifier, on peut pas. Ça sert à rien parce que de toute façon, on n'identifie rien. Donc, allez, salut. On sauvegarde. Et... On a fait une partie du culte, on continue. C'est fait. Ah, mais si, il était toujours là. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, il appelle. Bah, il a rendu confus son assassin, c'est rigolo ça. Passons aux choses sérieuses maintenant. 100 balles. Des bisous. On a le maréchal Ferrand pour retailler les sabots de Martin à jeudi. Quoi? Mercredi. Oh, jeudi. Maréchal Ferrand. Ah oui, pour les tomber dans des batailles justes. Mais Dorn est mort. Incredible. Une tâche coup, facile. Si Dorn meurt, est-ce qu'il faudrait pas lui donner de la vie? On va lui donner de la vie. Bam. Bam. Encore un peu de vie. Il a quand même un paquet de PV. Hein. Une tâche facile. Tuez-le de ma part. Imposition des mains. Ah oui, imposition des mains, c'est pour... Et c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de choses pour taper les gens dehors. Est-ce qu'on peut faire un fourvoiement magique sur cette personne? Mais non, mais il a multiplié ses assassins. Ah bah voilà. Oh là 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 là. En fait, faut qu'on tape l'assassin avant de taper les personnes derrière. Bon, on donne de la vie. On va peut-être lui donner des potions. Hein. Peut-être mieux. Bon, c'est moins coûtant. Oui, bien sûr. Donc. Ma lame vous coupera en morceaux pour ceux qui ont péri. Oui, bien sûr. Par ici. Passons aux choses sérieuses maintenant. Il y a quelqu'un qui est mort, hein? Non. Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc? Un truc qui peut tuer très rapidement, s'il te plaît.
Dorn qui meurt vite quand même. Hein. Ouh là 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 là. Faut que je leur distribue des potions et en plus que je fasse attention à leur vie. Parce qu'ils ne boivent pas assez. On va s'équiper de ces armes-là aussi. Ça, ça peut être pas mal. Ouais. Là, ça devrait être bien. Petite sauvegarde. On est reparti. Une tâche facile. Salut. Salut, Romy. Attends, je te fais un shoot-out. On est actuellement en pleine gestion de culte. Ton auberge est si propre qu'un derrière d'elle. Incroyable. Petite ref à Brapa Amical. Je sais pas si t'as entendu notre biographie de Roland de la Tour-Bresson. Le serviteur de la nature dès qu'on survit à ce truc. Hein. Ah oui, c'est vrai que je peux me transformer. Ouais, mais ça change pas grand chose parce qu'on va, on risque pas de rester en vie en fait avec cette histoire. On va se barrer. Les archers à distance, s'il vous plaît. Non. Ah, il s'est confus, il s'est confus lui-même. Allez, tapez-moi ce, tapez-moi son sérieuse maintenant. Vous quelqu'un qui a besoin de vie, reculez s'il vous plaît mon cher. Et vous n'êtes pas équipé de vos propres potions, s'il vous plaît. On est sorti de la tour d'Odjurlag, Romy, si tu veux savoir où on en est, on n'a pas fait la mission de Dorn. On s'écarte totalement de... Je crois que les assassins de culte sont morts. Je pense que c'est le moment de l'achever, si vous voulez. J'en ai marre de lui. On va lui faire un petit fourvoiement magique en passant, parce que j'ai pas envie de qu'il se réveille potentiellement dans le confus. Notre sniper... Mais regardez, le gars, il se réveille non confus, il est en train de sortir des assassins de culte de ses fesses. Tuez-le ! Voilà. Voilà, c'est bon. 1000 balles. Qui c'est qui a pris tout ça ? Que tu es alourdi, oui. Envoie ça à Dorn. Ça, c'est pas pour toi. C'est pour elle. Il y a encore quelqu'un de vivant ? Non. Moi, je m'en vais. Regroupement. Alors. Romy est parmi nous. Donc, allez voir Romy. Sachant que... Ah, tiens, j'ai fait un switch sur Discord. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de sujets d'actu, d'après ce que j'ai compris. De lecture d'articles. Je ne suis qu'au début de la prise de conscience que Romy stream. on m'a conseillé la semaine dernière, donc du coup, je regarde au fur et à mesure, quand je peux. Et donc, le dernier, c'était Dry January. Ah, c'est toujours actuel, ça. Dry January et écologie. Le pouvoir a-t-il si peur de la sobriété? Mais ça, c'était pas un article en plus? Je crois que je l'ai vu passer. Puis-je vous aider? On a pris l'équipe de non-mages. Ah oui, c'est... Ah oui, faut que je lise du coup. On a fait dodo, c'est bon? On a plein de vie? D'accord. Je te lis la biographie. Roland de la Tour-Bresson n'a d'histoire que son nom. Pourquoi Gorion se prétend mon daron et m'impose de récupérer sa thune? Louche, je dirais. Quincy est officiellement mon ennemi juré. Même pas sorti de Château-Suis, qu'un groupe de mercenaires tente de m'assassiner sans doute une perfidie de Gorion. Attendez, je vais vous le lire en bien grand écran. Incroyable, Gorion a perdu la vie dans le combat contre les mercenaires. Il est possible qu'il m'en voulait moins. Un avis de recherche a été établi. Je suis décédé plusieurs fois devant l'auberge de Brapa Amical. Un étrange phénomène me fait revenir. Magie. Ce n'est pas que moi. Jaira et Khalid aussi reviennent après être décédés. Seul Imoen n'a pas de problème autre qu'ouvrir des coffres. Ce qu'il faut. Nous sommes arrivés à Beregos, la moitié n'est pas praticable. Des gens se battent dans les rues. Landrin nous a piégés. Je soupçonne une araignée cachée dans un corps humain. Beregos est incroyable, même les maisons ne sont pas sympas. Contrairement à Noober, qui est un fan de la fandom de la Tour-Bresson, rencontré sur un pont de Beregos, cela égaye ma vie. Cela fait longtemps. Il y a plein de fautes, hein. Que je n'ai écrit ici, mon cher journal. Sache que énormément d'aventures se sont déroulées. Mourir est devenu mon quotidien. Dernièrement, je suis mort après avoir rasé un camp de bandits en pénétrant une grotte. Imoen s'est enfui en me laissant décéder auprès des autres. J'aurais préféré qu'elle m'attende. Nous avons rencontré plusieurs araignées
à bois gilet. Note à moi-même, les araignées sabres sont les pires en animation et en DPS. J'ai réussi à utiliser enfin le Tactical Sleep to Heal pour gagner en embuscade. Je n'ai plus d'antidote. Nous nous sommes enfoncés un peu plus dans Bois Gilet et avons découvert Bois Chemise. Peter, alors Pété du Nord, gentilhomme de son état, ne voyait pas les wyvernes derrière lui, dû à une non-habitude de ses yeux à la luminosité. Il est mort comme il en a vécu. F. Alors, Pété du Nord, il était rigolo. Stéphane, que nous avons rencontré sur notre chemin, Verbaldur a fait office de MJ. Merci pour le lore, car nous ne lisons point. Arrivé à Baldur, nous nous sommes entichés d'une balafre qui nous demande de faire son taf, même si on l'a déjà fait avant qu'il en parle. Ah, cher journal, récemment nous avons vu un basilic. Stupéfiant, n'est-ce pas? Nous avons été envoyés à Château-Suy régler le problème des mines. Notre déambulation nous a amenés au boss de fin de niveau, deux basiliques pétrifiés à l'idée, nous avons préféré la méthode furtive et à distance, tel tout héros dans la littérature. Et ça, c'était, on l'a rajouté aujourd'hui. Une mission de la plus haute importance, s'est imposée à nous et à Dorn. Nous avons dû régler un problème de famille dysfonctionnel dans la tour de Durlag. Cette tour était facétieuse. Nous avons découvert multiples artefacts anachroniques. Le lore nous a fait le cliché du Dark Sasuke, un miroir était présent en boss final de non-internet. Voilà. Donc là, on s'occupe du culte, bien sûr, de ce miroir. Parce qu'ils nous ont volé une bague, une voleuse d'âme. Donc on soupçonne bien une sûr. Alors, est-ce qu'on va trouver des chaussures? Ça c'est la grande question parce que Romy nous a dit qu'il y avait des chaussures partout. Alors non. Vu qu'on n'a pas de mage, on est obligé de rouler sur les potions. Ah! Ah, ils ont quand même essayé de rentrer dans la tour de Durlag. Hein. Du coup, vu qu'on a pas de mage, mais on a un druide, qui est Jaira. Et si tu as remarqué, la composition est tout à fait équilibrée. On joue bourrin. Hein. On joue anti-mage en fait. C'est-à-dire que. On va bien rire parce qu'il y a 5 mages en bas. Donc on va voir comment ça se déroule. Mais pour l'instant, c'est bien débrouillé. Donc voyons voir la suite. Mais pourquoi j'ai. Quoi? C'est passé quoi? Pourquoi j'ai plus rien dans les poches? C'est moi qui ai tout donné là? Toutes les potions, c'est moi qui les ai données? J'ai pas compris ce qui s'est passé. On est d'accord? Oui? Oui, c'est ça. Oui, il y a un petit bug là. Oui, là bien là. Sûr. Alors, oui et non. Les bottes de Berigost, c'est celle-ci, je crois, les 100 félins. Et en fait, il y a deux personnes qui ont des bottes, et du coup, ah, si, trois. Quatre. Ah, on est quand même. Mais on cherche toujours les autres chaussures. Hein. J'ai remarqué qu'on n'est pas super équipé en équipement. On a décidé de pas blinder. Hein. On se balade à Walpé. C'est fait. Du coup, en fait, c'était quoi? C'était mes poches là que je vidais? Je comprends pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est mes poches que je vide. Ok. J'ai pas compris pourquoi c'était dans ce sens-là, mais... Ok. Il y a tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Du coup... Bonjour! Vous êtes venu, je suppose que c'était inévitable. Vous avez survécu à la tour de Durlag, et dans ce cas, nos maigres défenses sont peu de choses. Cela n'a peu d'importance. Dans quelques instants, les créatures telles que vous seront impuissantes devant nous. Pourquoi faire cela? La bête que vous avez l'intention de délaisser n'est pas fiable. Ah oui, d'accord, ils veulent rattraper la bête qu'on a tuée. Mais la bête est morte d'elle-même, face à son propre miroir, comment vous dire. Vous pouvez baragouiner à loisir, vous n'aurez pas fini que déjà votre sang giclera. N'y a-t-il aucun autre moyen? On ne souhaite pas réellement lâcher une telle créature. Okay. Peut-être devrons-nous nous associer, vous avez besoin de puissants alliés. Elle est pas fiable. Clairement, elle est pas fiable. Daignez me dire comment vous sauriez cela, parce que je l'ai tué. Avez-vous préparé les rituels, prononcé les incantations? Moi, oui. Et les assurances d'Aikletek furent les fruits de mon travail. Les habitants de niveau inférieur sont certainement enclins au mensonge, mais seulement lorsqu'ils sont confrontés à la faiblesse et à la stupidité. Nous serons des alliés forts et adéquats pour ce nouveau maître. Je brise ici cette dague, et le nouveau seigneur arrive. Eh bien, faites tracer.
C'est qui a fait ça? Ah, c'est... T'as attaqué direct. Aura de désespoir pour Dorn. Tout le monde est au taquet, hein. Ouh là là! Et oui, c'est des je pense, des mons combattants. Mais je pense que ça va aller vite, en fait. On va juste tuer Tracea, qui a l'air d'être la bourrine du coin. Petit caméra dans sa tête. De toute façon, voilà. On va faire un petit truc, petit fourvoiement magique pour quelqu'un, si quelqu'un veut quelque chose. Ou sinon, on va chercher notre incantation. On va faire l'incantation des bois. On va aller chercher notre copine. Vous êtes une bien étrange. Et nous, on reste à distance parce qu'on est des snipers. Qu'est-ce que vous voulez? Qui c'est qu'on tape? Gardons le culte ici. Ah! Bien, écoutez. Et maintenant, que se on va voir si elle est sympa avec vous, hein, on se barre. C'est fait. Si vous mourrez, c'est votre problème. Est-ce que tout le monde est là? Ah non! Ah non! Ah non! On a oublié quelqu'un. Que vous pensez qu'il va survivre? Je ne crois pas. Bon, on va refaire cette technique-là. Et la technique de fuite. Indispensable dans ce jeu. Une tâche facile. Et on verra ce que ça donne. On va juste monter. Parce que de toute façon, elles passent pas les escaliers, leur bestiole. Une tâche facile. Salut. Oui, bien sûr. On vous attend en haut. Voilà, hop. Et voilà, maintenant... On t'a bloqué dans le coin. Je pense que c'est fini pour toi. Hein. Je peux pas incanter en plus. Regardez-moi ce combat de l'enfer. C'est les combats de l'Orient de la Tourbeau, mon monsieur. Voilà. Je pense que tirer de près à l'arc va nous faire gagner. Et voilà. 102 balles. Incroyable. Qui fait oh ah ah oui c'est du sang que tu perds. Ok, qu'est-ce que c'est que cette anneau de balle de feu? On s'en fiche. Bon, on a besoin de Jaira et de son sort de soin de blessure moyenne, s'il vous plaît. J'espère que t'apprécies ce style de combat, hein, quand même, Romir, parce que j'ai pas du tout vendu Baldur, mais t'es quand même passé pour voir ce genre de combat, du coup. Bonjour. Oui, bien sûr. On vous attend. Oh, hein. Non, toujours pas. On peut faire la deuxième technique de combat préférée de ce style de jeu, bien entendu. Je sais pas si vous connaissez, hop, c'est la furtivité. Oui, bien sûr. Et maintenant, on va aller voir comment ça se déroule en bas. Peut-être, ça se trouve, ils sont en train de mourir d'eux-mêmes. Hein. Ah bah, j'ai lancé de la confusion. Bah voilà. Voilà, salut. Ah, j'ai été fixé. Vais-je mourir? Non. Survivre, s'il vous plaît. Ah, voilà, je savais que tu pouvais pas monter des marches. Ah, Alors, attendez. C'est bon? On a repris, hein. On n'est pas reparti à zéro. Hein. On va voir sur nos bons chiffres. Les chiffres. 65. Aïe. 65 morts. Commencer des VOD, je suis encore en premier. Je suis étonné que tu sois vite passé sur la création de perso. Ah, mais ça m'intéresse pas. Pardon. Non, mais j'ai un système de jeu qui n'est pas les mêmes que les autres, on va dire. Non, mais moi j'accepte la randomisation, en fait. Je pense que c'est ça le truc. C'est que le fait de lancer des dés, moi ça me pose pas de problème, en fait, de pouvoir jouer avec. Parce que c'est ça, en fait. Je vais pas cliquer 15 fois pour pouvoir savoir celui qui va m'avantager, quoi. Je préfère jouer comme je peux. Et après, j'avais des bons jets de dés, hein, au début, je crois, de mémoire. On avait quand même des bonnes capacités. Regarde, ça va.
On est juste un peu chum. De toute façon, on fait des blagues aux gens en disant oui, peut-être que tu devrais faire en sorte de, oui, bien sûr. De ne pas essayer d'incanter des gens qui vont te tuer. Voilà. On fait un peu des blagues, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on est allé vite, mais c'est parce que je considère que la création de personnages, c'est vraiment un truc qui pour plein de gens prend du temps. J'imagine que pour le Baldur's Gate 3, il faut, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut personnaliser. Mais dans celui-ci, il y a juste la photo facile. Et tu rendemises ton jet de dés, non ? Il y a pas que ça. Ou faut en plus faire comme dans comment ça s'appelle Dark Souls et choisir l'objet que tu prends au truc, mais moi je connais rien du lore. Donc je vais pas m'en vanter connaisseur quoi, entre guillemets. Mais, le serviteur de la nature attend. Trop lentement. On va laisser ça par terre. On s'en fout des baguettes magiques, on n'est pas magique de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va mourir. Bienvenue Raving Bell. Passons aux choses sérieuses maintenant. Cette bestiole a l'air très sympa, n'empêche. Hein. Tu veux pas faire une incantation de créatures de bois. Hein. La fatigue est très en retard, mais c'est pas grave. Y a pas de retard ou d'avance. Oh là 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 là. Tu veux pas t'en faire. Donnez de la vie à cet enfant malheureux qu'est Dorn, s'il vous plaît. Dorn est mort. Ok. Ok. Oui ? Comment on va faire ? C'est fait. En fait, faut vraiment... On va se mettre facile. Là. Est-ce qu'ils font quelque chose, eux ? Bon. Est-ce que tu peux lui faire des caméras ? Non, mais on a rien ! Pourquoi ? Mais on a fait dodo ! Non ? Y a pas une histoire comme ça ? On a fait dodo quelque part ? Non ? J'en ai assez ! Ah, mais il y a des gens qui sont pétrifiés en bas. LOL. Bon, on redescend, là, du coup. Moi, je m'en pas vais. Du tout bordélique, hein, comme combat. Est-ce qu'on arrive à taper cette créature, déjà ? C'est quoi, ce truc ? Éclaté. Bon, on va mourir. Je pense que... voilà. C'est fait. Mais du coup, attendez. On va aller dormir, parce que je comprends pas. À quel moment j'ai sauvegardé, en fait, tout à l'heure ? J'ai un serviteur de dame nature attend. On va se faire des moyens de défense avant. Petit dodo. Après, je sais plus. C'est vrai que sur l'histoire de la création des persos, je me rappelle pas trop de... Pourquoi je suis allé vite, autre que je me rappelle avoir eu des bons dés. C'est fait. Peut-être qu'il y avait un truc en plus. Une tâche facile. Mais c'est vrai que prendre 15 ans pour faire un personnage... Bon, voilà. j'ai compris ce qui s'était passé. Tu veux pas encanter tout de suite, genre, pour faire comme si on était arrivé et qu'on faisait quelque chose. En fait, ce qui serait bien, c'est potentiellement d'avoir les molotovs, mais on n'a pas les molotovs. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pense que vous deux, vous pouvez le taper, ouais. Razad, on va être en mode... on va être en mode faux-follet, hein, en mode libéraux, comme on dit à l'époque. Ah, mais vous êtes fixe, vous êtes libéraux, c'est mort. Ah, il y a des gens qui sont confus, c'est sympa. Allez, vite. Attaquez avec les clic-clic-clic-clic. Avec les clic-clic-clic-clic-clic. Voilà. Il va tuer notre Razad national... Enfin, ouais, voilà, vous avez compris. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Attendez, mais ça se trouve, il a toujours l'araignée. Ah non, on est au bord du monde, ok, c'est bon.
Elle a toujours pas fini son incantation Ah oui, non, mais c'est parce qu'elle est fixe. Pourquoi tu fais plus rien dans les mains? Ah oui. Je peux pas utiliser un truc genre ça. Tu peux t'enfuir aussi. Y'a que dingue qui fait quelque chose. Je crois qu'on n'a pas moyen, on n'a pas le la possibilité de... alors comment je vais faire avec cette grosse bestiole, c'est compliqué. Il faudrait que je tue quelqu'un avant qu'il apparaisse, peut-être que c'est ça. Bon, on va sauvegarder là. On va essayer de tuer quelqu'un avant qu'il apparaisse. Donc. Your wish. On va faire un double caméra sur cette personne. Foncer dessus. L'incantation qui va prendre 15 ans, donc on va se cacher là-bas. Ordres. Merci. Voilà. Maintenant qu'il est apparu, on fonce tous dans le tas parce qu'on est sur le tapis. Voilà. Vu que c'est Razad qui est pris en chasse, hop. On sort un peu du truc. Petit caméra. Par contre, faut nous faire ton incantation, hein. C'est bien beau d'être loin, mais... Et donc, elle a décidé de se pointer. Ouais, que tu sois à distance, si c'est possible. Donnez de la vie à cet enfant malheureux de Dorn, s'il vous plaît, merci. Il est tout seul. Pam pam. C'est bon, l'incantation elle est prête. Okay, c'est bon, on peut y aller. Dorn est mort, voilà, j'en peux plus. Faut même pas cac tranquille là. Oui, une tâche facile. Elle est trop longue à la distribution d'incantation, notre cher ami. Appel des créatures des bois. Tu peux ne pas bouger ici, tu peux là, merci. Imoen, oublie pas. Après, tu peux changer. Hein. T'as le droit. Et dans S26, on a vraiment rien. Hein. Du coup, on a vraiment rien. Mais c'est pas grave. C'est pas ça que je vous aider. Bon, alors il nous faut un truc. Blessure grave sur cette personne si c'est possible. Tu t'enfuis s'il te plaît. Hop, fourvoiement magique sur cette personne là, comment ça s'appelle? Cette grosse bestiole là, s'il vous plaît, merci. Je veux pas de magie là, de sa part. Il y a quelqu'un qui risque de mourir. Elle est pas encore en train d'incanter, donc on va lui donner de la vie à l'autre là. Hop. T'as moyen de survivre, hein, je tiens de préciser. On va se balader. Hop. C'est bon là, t'as réussi à faire ton truc. On peut faire une défense magique harmonieuse, je sais pas quoi là. Confusion, ce serait pas mal. Ah, il a réussi à stopper Dorn. Non. Non. Pas de confusion, ça marche pas sur le... Ah, il fait des touchés vampiriques sur tout le monde. Mais quel enfer.
Immobilisation des monstres. Ça, ça doit l'immobiliser, non? On est d'accord. On va mourir. Bon, la tourbosson est mal positionnée. Ah! Ça a marché? Ça a pas marché? Ça a marché? Ça a marché? Enfin, non, jet sort, immobilisation des monstres. Échec. Non. Ça a marché? Résistance à la magie. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Fourvoiement magique, ça sert à rien. Donc... Moi, j'ai une blessure grave sur cette personne, si c'est possible. Ah, mais du coup, attends, blessure grave. C'est sur cette personne à elle. Je peux pas faire de domination mentale, voilà, merci. On peut lui donner de la vie. À Roland de la tour Brosson, depuis tout à l'heure, je demande. Ah tiens, il passe de gauche à droite lui. Ah non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, bien sûr. Ouais. Au final, la fuite est pas mal. Hein. Je pense qu'on va attendre que voilà, qu'il arrive et on va se barrer. Est confus quoi. Une tâche facile. On va. Quelqu'un a été touché? Non. C'est fait. Je veux juste voir s'il y a des gens qui montent. Si la bestiole monte. Il y a quelque chose qui se passe. Non, on a juste quitté le combat là. C'est pas mal, c'est qu'on peut aller se coucher. C'est fait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut... Voilà. Est-ce qu'on peut être tous dessus ? Pour voir ce que ça donne. Là, merci. On lui fait des touches vampiriques là tout le temps. Vous êtes une bien étrange personne. Et vous aussi, vous aussi. Regard mortel. J'ai eu un jet de sauvegarde qui m'a aidé, c'est bien. Bien, c'est bien. Je vais faire un appel de créature, mais je vais faire une bombe de cata plusieurs. Your wish. Puis-je vous aider? T'as pas de vie, t'as pas de potion de vie. Remarque. Oui. Oh. Oh. Il y a un truc qui s'est passé, mais je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas grave. Continue. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêté en plein milieu? On va te donner un peu de vie. Ah, un peu de vie. J'ai même pas vu qu'il était en train de cibler.
Peut-être que j'aurais peut-être pas dû répondre. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On voit même pas. Oui? Je vois pas ce qu'on pourrait faire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a peut-être un truc, un moyen de tuer cette bestiole très vite. Bon, on va essayer de focaliser sur les moines pour voir. Parce que je pense qu'elle perd de la vie en fait. On focalise sur les autres. Là. Parce qu'en fait ils sont là. Ils sont là. Qui êtes-vous, vous? Garde du culte indemne. Ok. On peut focaliser sur. Voilà. Voilà. Donc il y en a un en moins. Est-ce que ça enlève ça, un peu sa. Sa force, quelque chose. Il donne des coups, hein. Il a tué. Comment on va se débarrasser de cette bestiole là? Une tâche facile. Bon, allez, oui, Jack, c'est Jack, hein. On va juste laisser notre. C'est comme si c'était fait. Faire son incantation. Regardez. Voilà. Vous êtes vous restez ici. Personne. Une aussi. Tâche facile. Et nous, on va tous aller au CAC 40. Je ferai de mon mieux. Allez. Si on tue cette personne-là, par exemple, qu'est-ce qui change? Donner de la vie à cet enfant malheureux. Et Dorn, non? Bon, oh, Dorn, t'es mort. Hein. Pas vraiment. Ah, il s'est passé quoi là? Mais cette personne est très forte. Alors attendez, je check mes. Le géant de feu, il fait quoi? C'est. Il utilise une arme de contact ou à distance. Il a un bonus de toucher. L'effet de la potion dure 2 heures. Eh bien, on va utiliser ça déjà. Ça peut toujours être bien. Ça, c'est quoi? Potion d'invisibilité. Donne ça à Dorn. Moi, je veux voir juste si Dorn peut aller bombe au clat des gens à distance. Peter, it shall be even bloodier than you hoped. Allez, c'est parti. Moi, je veux voir comme, si la bestiole réussit à survivre. Je vais taper par contre. Hein. Voilà. Et du coup, quand je tape, je suis plus invisible. Même si j'ai pris une potion d'invisibilité. Mais c'est quoi ce jeu? Genre, la potion d'invisibilité, elle coûte cher en plus, je crois. Potion de focalisation mentale, non. Bon, feu. Feu. Avec quelqu'un qui tape fort, si c'est possible. Rétrovision, potion de force des géants. Je suis en plein tri des ressources pour mes suivis RSS, j'ai l'impression que ça finira jamais. Ouais, c'est très dur, hein, ça. Oui, mais ça change quoi hein. L'effet dure 2 heures. Augmentation temporaire de niveau. On en a eu plein. Ça se trouve, c'est ça qu'il nous faut. Hein. Pas la même chose, d'accord. Perception et résistance au froid. Antidote, potion de soin. Héroïsme, bon, tu vas prendre ça.
Et géant de froid. Géant de froid. Fléchette sanglante. Ça, on peut peut-être donner ça à Imoen qui va nous les lancer. Donc, il y a un problème de nombre de flèches. Force morale, potion statut, blocage de magie. Blocage de magie, c'est pas mal. Et est-ce que c'est pour la personne? Confère au buveur une immunité totale aux effets de sort de niveau 5 et inférieur. En même temps, tous les effets de sort de 5e niveau et moins infectant le buveur sont annulés. Cette immunité ne dure que pendant que 5 rounds. Et ça arrive à très rapidement. Le Covid a fait mal hein, sur les projets de plein de gens. Hein. A fait et fait toujours. D'ailleurs. Bon, je sais pas comment on va faire, mais on va dire qu'on va foncer encore dans le tas. Hein. Juste pour comprendre comment on va faire. Oui, bien sûr. En fait, ce qui serait bien, ce serait qu'on puisse être invisible et qu'on incante. À vos ordres. Alors, on va faire ça. Oui, on va une tâche préparer facile. L'incantation de. Le serviteur de Dame Nature alors, attend. Du coup. Je crois qu'il y a une potion d'invisibilité qui traîne ici, quelque part, là. Razad, je crois. Non, c'est assez Roland peut-être. Voilà. Roland, tu la donnes à Jaira qui va incanter dans son coin. Voir combien de temps elle a de vécu en étant. Et attends, c'est une molotov ça? Non. Combien de temps elle a de vécu en transparence? On va se cacher. Pour le groupe. Et on va incanter. Non mais. S'il te plaît. Respecte-nous, déjà que ton incantation prend 15 ans. Bon après, je pense que c'est notre dernier essai par contre. Ok. Ça a pas pris beaucoup de temps, remarquons. Une tâche du coup, facile. Faut qu'on débarque. Tu peux ne pas foncer s'il te plaît. Dans l'état des gens. Tu es encore invisible. Tu es encore invisible. Tu es encore invisible. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. La blessure grave sur quelque chose. Non. Bah non, une blessure grave ça marche pas sur les gens, bien sûr. Domination mentale sur cette bestiole. Et oui, toi, je veux bien que tu nous fasses un truc omniprésent. Où on les fixe à cet endroit-là. Si c'est possible. Ouais, ils sont tous. Regardez bien. Ils sont tous arrivés, il a tourné la tête direct. Non mais nous on s'enfuit. Regardez comment elle prend 15 ans à incanter, c'est pas possible cette. Voilà. Est-ce que cette personne est bloquée? Convocation d'insecte, moi je veux convocation d'insecte. Je veux que tu la confuses. Ah non mais du coup elle est fixe? Mais à quoi ça sert d'invoquer des gens si c'est pour qu'elle soit fixe? C'est quel un intérêt? Ah non! Ok, s'il vous plaît, je vous enlève la conscience de votre âme. Focalisez-vous sur cette personne-là, s'il vous plaît. Merci. Application des mains, s'il vous plaît, monsieur Prasad. Application des mains sur vous. Elle est tombée dans son propre piège. What the fuck? Et toi, tu as lancé déjà toutes tes fléchettes? Non! Alors, mais pourquoi t'es aussi pr. Mais. J'en suis si froid! Voilà. Normal, t'es froid. Tu fonces dans le tas. Je vais lui donner des potions. J'ai pas le temps de m'occuper de sa vie à elle. Mais t'en as déjà. Razad, prends les potions. T'en as déjà aussi. Bon, allez, buvez. Et laissez-moi tranquille. Vous êtes une bien étrange personne. Il fait rien là-dedans. Oh là là, il va mourir.
Donnez-lui de la vie, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Quelqu'un. Il va mourir. Remarquons qu'il n'a pas perdu de vie. Hein. On va regarder ce qu'il prend comme coup, parce que je comprends pas là. Ah oui, c'est vrai qu'il bouffe de la vie. C'est une créature vampirique. Exact. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se battre contre ça? C'est pas mal. Arme inefficace. Ah bah oui, bah bien sûr. Est-ce qu'il a été touché à un moment, cette bestiole? Il n'y a aucun moment où on a réussi à faire quelque chose. Ouais. Il y a quand même le sort qui essaie de faire quelque chose, mais le problème c'est que il a un jet de sauvegarde, donc voilà. Ouais, c'est, il fait que boire en fait. Il boit notre et regard mortel permet de nous fixer. Donc du coup, on a un problème de fixage. Jet de sauvegarde contre la mort. Et d'attaque, arme empoisonnée, toucher vampirique. Ah, hop, il a encore bu. Donc en fait, il fait que regagner de la vie. Et on n'a aucun moyen de le toucher. Bon, je pense que l'idée de l'incantation est pas mal, mais par contre, il faut qu'on trouve un truc à faire avec. Est-ce que tu as ta potion? Non. Parce que... C'est comme si c'était fait. Il y a un truc à faire, je pense, avec les... Avec les mages, avec les moines. C'est comme si c'était fait. Parce que vu qu'ils bougent pas, il y a un truc à faire. Il y en a 5, il y en a un qui est vert. Qui me perd. Ok, on va regarder la map. Partie des zones. Peut-être qu'il faudrait envoyer quelqu'un qui puisse nous faire repérer quelque chose, mais... Garde du culte. Pourquoi vous êtes vert? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ok. Et voilà. En fait, ça change rien, quoi. Et les moines sont là. Donc je soupçonne qu'il y a un truc à faire avec les moines, vu qu'ils bougent pas. On peut traverser, c'est ça, et ils s'arrêtent ou pas? Ouais. Je vois pas trop comment on va se débrouiller, hein. À chaque attaque en plus, les moines ils meurent pas en fait. C'est ça le truc, c'est que. Faudrait quelqu'un qui tape assez fort, qui ait assez de PV. Qu'il puisse faire quelque chose. En fait, un mage ça serait pas mal. Là sur le coup ça serait pas mal. Mais parce que ils bougent pas. Donc en fait, tu leur lances un truc, ils fixent et puis voilà, ils bougent pas en fait. Oui. Oui. Et on n'a plus de molotov, donc du coup on peut pas leur lancer un truc de feu. Je pense qu'il y a clairement un peu de truc avec les moines à faire. Alors quoi par contre?
Sinon, on se barre. Hein. On se barre aussi. On se dit, bah voilà, il y a eu une incantation, elle a foiré. Ah, ouais. Parce que ça, en fait, ça serait pas mal, mais ça sert à pas grand chose si on prend quand même des coups assez gratuitement, quoi. 3 soins antidote. Bon. On va dire qu'on a. Absorption, c'est absorption des coups, ça. Ça, ce serait pas mal aussi, en vrai. Mais bon. Alors, quelle heure il est? Il est 21. Bon, du coup. Mais pas juste en tant que frein physique. Oui, bien sûr. On va partir sur le fait qu'on l'a incanté et qu'on va le noter dans notre biographie. Hein. Voilà. Personnalisé, biographie, pip. Là, alors, je vais écrire la Dark Sasuke Family. La Dark Sasuke Family. Et vu que c'est la fin, je mets la musique. Après, je vous envoie en... des rumours réac et il faut faire du tri. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. La Dark Sasuke Family a invoqué. On est où à Berigost là? Non, on n'est pas à Berigost, on est à je sais pas quoi. A invoqué une créature vampirique. Je vais mettre des penses bêtes. Je soupçonne. Elle survit par ses moines, mais pour l'instant, on a autre chose à faire. Voilà. Donc, je rappelle qu'on est aussi, c'est fait. On est recherché, hein, puisqu'on avait fui la prison. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire, on va peut-être aller faire la quête de Dorn, mais je pense que c'est un peu long. Je sais pas trop. Dorn avait dit un truc, c'était pas loin de la porte de Baldur. Ah tiens, on va peut-être regarder la carte. Je pense que c'est ici, c'est quelque part ici, mais en fait, voilà. Porte de Baldur, on va aller là. Est-ce qu'on arrive à passer déjà le pont? Une tâche facile. Encore vous, je vous ai déconseillé de quitter ma maison. Si vous restez, j'en déduirai que vous êtes allié à mes ennemis. Ok. On arrive de nuit au pont de Baldur. Que dire de ça? Pas de garde, rien. Rien pour nous empêcher de rentrer. Je pense qu'on va se positionner là. Et on va essayer de faire la suite de la ville sans se faire attraper. Donc en passant par les égouts, j'imagine. On a déjà nettoyé les égouts. On va avancer au maximum. Ici, là, c'est ça l'entrée, là, non? Oui, c'est ça l'entrée. Et donc, du coup, on arrive à Baldur. Bim! Regardez-moi ce... On arrive à Baldur de nuit.
Alors, qui c'est qu'on va voir? Et une conférence gesticulée, ah non, je suis pas d'accord. Attendez, je comprends pas le stream du. J'aime pas les conférences gesticulées. On va aller voir Raving Bell hein. Plus tard hein, mais moi ça me cringe les conférences gesticulées. Bon allez on y va. Merci d'avoir été dans le coin. Bon à jeudi. À jeudi et merci à vous. La suite de Baldur's dans pas longtemps je pense. Merci Strega d'être dans le coin. À plus, à plus!